On se retrouve pour la suite de nos aventures avec 47. Après, donc, le petit, petit tacticiel, si on peut dire, on part sur des vraies missions. Enfin, je pense. Ou non, on part déjà sur la planque. Donc, notre petite planque ici, avec, comme dans Hitman 2, tout ce qu'on pourrait... tout ce qu'on pourrait avoir. Donc là, vraiment, il y a pas mal de choses à débloquer, mais ça, on s'en branle pas, mais c'est pas encore notre truc. On a un petit oiseau aussi. Ça, c'est cool. Et donc, je suppose qu'on peut donc se casser, voilà, pour la prochaine mission. Rick Henderson, first edition. He's expecting you. This way. Rick Henderson, I've been looking forward to this. As have I, Mr. Alexander. Don't let's stand on ceremony. Call me Jack. Rick. Make yourself comfortable, Rick. I'll be right with you. I admire your work. Real journalism. Thanks. I thought we'd start with your thoughts on the White House attack, then discuss your tenure as director of the FBI, post-retirement reflections, whatever, and... Rick. Or if you want to sound off on politics... Rick, my apologies. This interview about me is just a cover for a more sensitive story. I'm sorry to have lured you here under false pretenses, but I couldn't risk a leak. I'm not sure I understand. Don't worry. It's the scoop of the century. If I had a dime for every time I heard that... Listen, please. It begins with a little incident at a vineyard in Chile that caught my eye some time ago. This was a family business. Fernando Delgado and his son Manuel. Well-liked, hard-working men. Have a look at the folder. Ah, petit briefing. La prochaine cible se trouve au Chili. Son nom, Fernando Delgado, ancien colonel des services secrets de Pinochet, reconverti dans la fabrication de cocaïne, dans un vignoble. Selon les photos satellites, le complexe dispose d'un labo souterrain. Manuel, le fils de Fernando, se charge de revendre la drogue. Il faudra le liquider lui aussi, pour faire croire à un règlement de compte. On vous fera entrer dans un club de retraités de Santiago, venu pour le lancement du nouveau label de Delgado, baptisé du nom d'une vedette de série B des années 80, Rex Stanton. Il y aura au moins une équipe TV sur place, alors gardez un œil sur leur caméra. Delgado possède un hydravion. Pensez-y au moment de quitter les lieux. Ok, donc là c'est comme dans Hitman 1 et 2, il faut choisir donc ces petites armes. Armes... Ok... Équipement standard. Ouais, bah j'ai juste besoin de ça, moi. Améliorer. Le Silver Ball, est-ce que je peux... Ah, il faut acheter des munitions et tout ça. Bah écoute, moi je vais acheter ça déjà. Ok. Retour. Donc normalement, voilà, notre Silver Ball... Il est équipé d'un silencieux, ça sera cool. Et on part direct en mission. Donc tuer Manuel Delgado et Don Fernando. Hey,
Donc on est chez les Italiens. Et alors pour cette mission, on observe un peu la tout ça, tiens. Et moi, si je me rappelle bien, moi j'étais parti par là la première fois. Ah, oh, c'est bon souvenir. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir me le faire, lui, sans qu'il alerte qui que ce soit? Normalement, oui. On va pouvoir se faire le petit garde. Ok, les gars, on va se le faire. Hop, wow. C'était efficace, on va dire. Ok. Cadavre, c'est bon. Le traîner le corps, on va traîner le corps et on va le jeter par-dessus la balustrade. Voilà. C'est très moche, mais... Ok. Donc là... Il y a de quoi... Il y a des munitions, bon ça nous intéresse pas, nous on a notre petit flingue, tout ça. On va rentrer et on va se faire... On va essayer de rentrer sans se faire repérer les gars. Voilà, on passe tranquillement, sans souci. Ok, on va passer par là. C'est bon, on passe tranquillement dans la foule quand même. Ça, c'est une cible. Ok. Donc ça, notre cible, c'est tranquille. Ni vu ni connu, tranquillement. Alors. Putain, dans cette mission, elle était assez chiante à faire. Je me rappelle très bien pourquoi. Il me semble qu'il y a un petit passage secret. C'est cette porte. Ok. Ouais, pas besoin. Normalement, tu vois, t'es pas obligé de tuer un garde. Tu peux venir. Ah ouais, ils affichent pas les gardes. Ok, pas de soucis. Je me casse. Voilà, je vais me casser. En fait, ouais, non. Effectivement, faut que je prenne le costume de... Voilà. On va attendre qu'il parte. Et on va repasser. Directement. Et tranquillement. C'est vrai qu'un garde à l'intérieur, ça passe pas trop. L'ouvrier il va se casser, on prend son petit costume et on passera tranquille. Donc là on fait une petite sauvegarde quand même, on est à l'intérieur, on peut se le permettre de la faire, voilà. Voilà, ok. Ok. C'est pas fait remarquer. Là, normalement on devrait passer tranquille. Nickel. Ok les amis, nickel. Normalement, je devrais pouvoir passer par là.
Ok. Nickel. Faudrait que je retourne là-bas dans le truc des chimistes. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ok. Je sais plus où il y a un truc à... Ouais, non, je peux rien faire ici normalement. J'avais un petit truc, je sais pas. C'est pas ici en tout cas. J'ai dû me tromper. Mais en tous les cas... Vino tinto. Vin rouge. Salut mon ami. Ouais, tellement simple à... non. C'est pas ça. Ah, je me disais bien, j'ai bien une corde à piano, moi. Ok, ça c'est cool. Voilà, les gardes. C'est fait. Poser le corps. On va prendre son costume. On va traîner le corps par là, derrière les escaliers, on sait jamais. Et on va avancer tranquillement vers là-haut. On va déjà tuer notre première cible qui est normalement moins protégée là-haut. Ça c'est cool. On monte tranquillement. Ok. Là on est au rez-de-chaussée. Nous faut aller au premier étage. Ok, par là il y a les escaliers. On va y aller tranquillement les amis. On va essayer de ne pas se faire opérer en fait. C'est vraiment le but. On est en expert quand même. Faut savoir que l'IA est un peu plus intelligente, même si là, nous a toujours pas repéré. En même temps, on passe une crème encore avec nos petits chapeaux. Ce serait plus si les mecs, ils étaient tous noirs. Et bah ouais, c'est sûr que s'ils sont tous noirs, ça passera moins. C'est sûr que ça passera moins. En tout cas, là, je suis un peu perdu. Comment on va faire du coup? Ah, il me surveille quand même. D'accord. Non, là, c'est... Nickel. Y a pas moyen, ici. D'accord. Alors, là... Ah oui, la pièce. Rappelez-vous. Allez, on va relancer une pièce, allez. Marche pas ce truc. Putain. Comment on va faire pour passer là?
Là, ça va être un peu chaud. Mais tu vois, ce serait bien. Bah, on va essayer de l'autre côté, du coup. Ok. Ouais, cette musique, elle est tellement relaxante. Ah putain, même là, faut l'accrocher, quoi. Non, maman, celle-là aussi, elle est fermée, putain. Il ferme toutes ses portes, ce mec. Il a peur ou quoi? Là, ça passera pas trop, là. Ça va être dur. Comment veux-tu? Allez, venez là, là. Ouais, little difficile là. Effectivement. Non mais putain, mais me regarde pas quand je tire. Putain, ça par contre, ça va prendre une plombe à se regarder dans ton blanc des yeux. Ok, là, par contre, les gars. Du coup, je sais pas comment on va faire. Attends, je vais prendre ma pièce. Je vais lancer combien de pièces pour qu'ils viennent là? Ok, on va sauvegarder. J'ai tellement peur de rater au fait que... Sauvegarde encore, allez hop. Ouais, je me disais bien, ça passera pas. Un cru stupéfiant. Dès qu'il tourne le regard. Bon. On va le faire à la réglo. Bon, ça veut pas le faire aussi. Je suis un piètre tireur. Bon. Bref, on refait ça. Non, non. J'ai rien fait, les amis. What? Mais ils sont tous sortis de nulle part là? Non mais c'est impossible quoi! Comment tu veux passer, tu veux réussir? Ok. Bon.
Bon, bah ça veut pas. Il vient quand même à 50, hein. Ça c'est bon, voilà. Je me disais, c'est bien la technique, la bonne technique. Ok, on peut regarder toujours dans la serrure, ça c'est cool. Ok, nickel. Voilà. Voilà, j'étais sûr qu'on pouvait passer. Tout est possible dans ce jeu. Ok, normalement là. Ok. Donc là, il y a un marteau, du vin, et c'est tout. Tu as que ça. Ok. Merde. Ah, il m'a vu. Oh non. Oh le seum. Oh bon, on va refaire, hein. Voilà, on va attendre qu'ils arrivent, blablabla. Bla bla. Allez, tournez-vous le dos là, les gars. Toucherai pas ta porte, vas-y. Ouais, oh, mais putain, là, il galère, le mec. Putain, faut vraiment que je bouge, quoi. Allez, hop. Ok. Donc là, on fait crocheter la serrure. Non, bah non, en fait, j'ai tellement été rapide que... Que ça a ouvert la porte directe. Ah, c'est futur chargement de merde. Ok, je me mets un peu loin comme ça, je suis sûr pas de le bloquer. Ni lui, ni l'autre. Voilà, là il se casse. Non, l'autre va pas se casser du coup. Ah, il part pas. Bah écoute. Mais écoute, tu veux pas partir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, bah ouais, faut que je me mette encore plus loin quoi. Putain, j'y étais les gars, j'y étais. Bon, on va la retenter. Voilà, on crochette. On crochette. On se casse. Allez, hop, crochette la porte, crochette la porte, crochette la porte. C'est parfait. Nous, on se met tranquillement comme ça. Voilà, on reprend. Voilà, corde à piano. Et on l'étrangle. Comme ça. Ok. Normalement, ça c'est bon. Là, je devrais pas trop avoir de problème. Normalement, là, je peux passer tranquille. Ah, on peut allumer et éteindre les lumières. Ça, c'est cool. Je savais pas ça. Donc, l'autre, ça va être simple aussi. Ok. Voilà. Ni vu, ni connu.
On va passer par là, on va descendre les escaliers qu'il y avait. Ouais, moi je t'ai passé. Oh, sympa ici. Ok. Nous, on va repartir par là où on était arrivé. Normalement, le Salvador est mort. Il me soupçonne toujours pas, ça c'est cool. Ok. Une cible éliminée, l'autre on va l'éliminer avec une petite bombe. Tout simplement. Ok, là. On descend. On va se déguiser en chimiste. Petite bombe juste là. Là, on espace costume d'ouvrier. Là, on n'a pas intérêt à merder, donc tous les cas, on peut sauvegarder. Normalement, c'est la dernière sauvegarde. Donc là, faut pas qu'on merde. Voilà. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a un moyen, un interrupteur, un truc comme ça pour éteindre la lumière? Je pense pas. Ah, c'est considéré comme une arme, ok. Je savais pas. Excusez-moi les amis. Je ne savais pas. Ok. Toujours un garde là. Ça va être un peu difficile ici, ouais. Là, ça va être chaud, ouais. Bon, je sais pas comment on va faire là. Sachant que la cible est par là-bas. Ouais. Attends, on va tester. Ah non, il m'a pas repris le. Donc c'est le garde qui l'a. Le garde l'ayant, il faut que je le suive à la trace. On va attendre que la cible revienne. Il faut que le garde passe au bon moment. Et boum, voilà, on a fait notre bombe humaine. Maison des gardes. Bon, ça c'est pas ce que je cherche. Il va re-rentrer dans la truc des vins là. Donc faut pas trop que je reste dans la zone quand ça va sauter. Bon, plus qu'à attendre
La putain de cible là. Oh, on peut le tuer de différentes manières, ça je le sais bien, mais. Mais elle est où mon. Elle est où mon cavalier servant là? Il a disparu ou quoi? Vous vous rappelez mon garde, il était là, il y a quelques secondes, il est parti où? D'accord. Alors là, je sais pas du tout où il est parti. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ok, non mais ça c'est l'avion. Je suis d'accord, pour l'avion il n'y a pas de soucis, mais... Non, je suis pas d'accord, il y a un problème là. Un cru stupéfiant. Bon, on va reprendre là-bas, on va trouver bien une solution je pense. Ouais. Ok. Bon, faut que je fasse attention quand même. Alors, ça, on va la reprendre la bombe. Ok. Bon. Là, ça commence vraiment à me casser les couilles, sachant que je le fais sans soluce. La prochaine fois, je dirai la soluce quand même. Voilà. Un peu perdu, hein. Ouais, je suis un peu perdu. On va leur relancer la bombe comme ça et voilà. Je vois pas comment on pourrait le tuer l'autre. Ok, on va passer par là. On va se foutre là. Et là, normalement. Ok. Mm-hmm. Je vois pas du tout où je pourrais foutre ça. Ah, dehors, il me semble que j'avais une sorte de livreur. Il me le semble. Hein. On va voir où il est. Le livreur, bien sûr. C'est quoi ça? Bon, y'a rien à récupérer ici. Ok, on va passer par là. Et on va monter par là-haut. Maestrina,
Ok. On va poser la bombe ici, de toute façon. J'espère que ce sera bon, qu'il va se mettre en dessous. Je suis pas sûr, mais bon. Normalement, ça se passe comme ça. Je voulais le détruire dans le labo, mais après, j'ai tué des innocents pour rien. Ah, c'est pas maintenant qu'il se pose là. Merde. on va, dans cette mission, on va faire que attendre. Et ça, c'est légèrement pas marrant. Ah, faut pas trop que j'attire l'attention. Ouais, ici, normalement, il y avait un truc, tu sais, que tu peux porter. Tu peux... Enfin... Une sorte de... Je sais pas, de provision. Mais ils sont plus là, donc... je sais pas. C'est pas du tout... Ok, on va se diriger vers l'exit. Oui, mets-toi là. Oh putain, il tombe dans mon piège. Voilà, il est mort. Ok, ça c'est fait. Les gars, on peut se casser. On avance. Ils ont trouvé le cadavre de Salvador. Et nous, on se casse. Ok, ça c'est cool. Allez hop, on se casse nous. Il faut... Ça, ils ont trouvé les cadavres. Si on veut vivre, on n'a plus beaucoup de temps là. Ah ouais, du coup, j'ai aussi tué le garde, ça en va après. Ça, par contre, c'est moins drôle. Est-ce qu'il va nous voir, lui? C'est ça le... Bon, alors, on a même pas besoin de le tuer. Mais c'était au cas où, on sait jamais. Et on va prendre son avion, là. Si on arrive à pas se faire repérer. Hop, allez, on se casse. Donc, mission vraiment sans soluce. Là, j'ai vraiment fait à ce que je me rappelle, à mes pensées. Je pense qu'il y avait d'autres techniques pour le faire. Mais voilà, je l'ai fait à ma manière. Donc là, victime totale. 4, coup tiré 0. Ta-ta-ta, combat rapproché. 1, ta-ta-ta-ta. Cadavre découvert, témoin 1. Ah, un témoin. Notoriété 10 sur 100, donc ça va, je suis pas très connu et spécialiste, ça c'est cool. Donc voilà, ça c'est pas mal. C'était Uzo pour le deuxième épisode sur Hitman Blood Money. On se retrouvera très rapidement. Ah, attendez, avant de finir, on peut corrompre les civils. D'accord, c'est sympa ça. À la limite, on va enlever la notoriété déjà. Bon, elle est pas très encore énorme. Bon, on va la mettre à... Comme ça. Donc, spécialiste tue à nouveau. Voilà. Le petit truc assez sympa. Donc. C'est fait.
Et on sauvegarde, et on se retrouve au prochain épisode, les amis.